Ok, c'est bon, vous m'entendez là? Ouais. Ok, ça roule. Salut tout le monde. Aujourd'hui, donc sur le matériel, il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Votre crosse, vos gants. C'est important d'avoir les gants quand on fait le maniement. Et puis un palet ou une balle selon le sol que vous avez. Donc la thématique, c'est... On est sur une progression de la feinte. Donc, c'est plutôt des éléments techniques que vous connaissez. L'objectif, c'est de respecter tout le temps les points clés, les consignes. Donc, de faire le geste parfaitement. D'accord? Et pour ceux qui le maîtrisent parfaitement, le faire le plus vite possible parfaitement. L'autre idée qu'on avait aussi avec Mika, c'est pour ça qu'on a fait d'abord le cardio. C'était de vous faire travailler en fatigue. C'est-à-dire que là, vous avez fait une bonne séance cardio, donc vous êtes un peu entamé physiquement, logiquement, sauf si vous avez triché, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait des tricheurs. Donc c'est aussi arriver à se concentrer, respecter l'exercice, les consignes sur du maniement, se concentrer, réfléchir pendant la demi-heure qui vient. Donc il y a ces deux objectifs-là. Et puis on va être sur une progression. Donc les tout premiers exercices, on va découper en fait la feinte avec le blocage. Donc à la fois le dribble, le blocage et le retour sur la feinte. Ok, le premier exercice. Donc position de base, les pieds écartés au niveau des épaules. Ça va être un dribble court, d'accord? Dribble court côté coup droit. Ça marche? Donc c'est juste dribble court côté coup droit. On veut la flexion ici, on veut la flexion des jambes, d'accord? Donc vous êtes bas, il faut tenir pendant les 40 secondes. Les mains qui passent bien devant le ventre, soyez pas bloqués. Et on dribble en latéral, d'accord? Je ne veux pas voir de haut en bas ou de diagonale. Donc on dribble latéral ici, dribble court. Ça marche, 40 secondes. Vous êtes prêts? Tout le monde a l'air en place. Ok. Donc, top, c'est parti. Dribble court, coup droit. Garde les flexions. Donc on s'applique sur les flexions, hein. Faut que ce soit parfait. Dribble court côté coup droit. Je ne reviens pas sur mon pied, je suis plutôt éloigné de mon corps. D'accord? Ok, repos. L'idée, le principe là sur la feinte, c'est d'avoir un dribble d'un côté, d'accord? Pour amener l'adversaire dans cette zone-là. Aller chercher loin de l'autre côté sur le blocage pour repasser. D'accord? Donc ce n'est pas un grand dribble ici. Ce n'est pas un grand dribble. C'est un dribble court côté coup droit. On va faire la même chose côté revers. Il est plus facile. D'accord? Donc dribble court. Je suis fléchi. Je ne bouchonne pas. Et je ne m'arrête pas pendant les 40 secondes. Attention. Côté revers. Top, c'est parti. Dribble court, d'accord? Ça ne doit pas revenir devant les pieds. Je suis même éloigné de mes pieds là, hein. Je suis à 30 cm de mes pieds. Ok, repos. J'en vois qui s'arrête avant, d'accord? Lucas, tu n'étais pas en position quand je regardais là. Il n'y a rien de difficile. Là, c'est juste dans vos têtes. S'appliquer à respecter les consignes. Donc, je les explique bien. Je les répète plusieurs fois. Là, il faut vous forcer à faire parfaitement ce qui est demandé. Donc, le dribble, il est court, d'accord? Le mouvement du dribble, il est court. Par contre, le palet, il est éloigné des pieds. Au niveau de votre corps, donc les pieds écartés des épaules et fléchis, d'accord? Et je dois tenir dans cette position-là. Donc dribble court, palet éloigné, côté coup droit. Ça marche? Attention, 40 secondes, top, c'est parti.
Gardez les flexions. T'as pas l'air d'être très fléchi, Alessandro. Fléchis, descends. Les pieds, ils sont droits. Tom, ouvre pas ton pied gauche. Terry, largeur des épaules, tes pieds, pareil, ils sont pas ouverts. Ok, Ailey, tu reviens un peu trop sur ton pied, faut être un peu plus loin. Ah, t'as envoyé le chrono ou pas? Ok, c'est pas grave. Encore 15 secondes. Plus court le dribble, Tristan. Ah, Jules, c'est pas d'avant en arrière, hein, c'est de gauche à droite. Ok. Ok, repos. Et le dernier sur le simple. Donc le dribble que je veux, c'est de droite à gauche. D'accord? C'est pas de haut en bas. Ok, donc c'est droite à gauche. Ok. Court. Et le palet, il revient pas dans l'axe de mon pied. Il est toujours loin. D'accord? On veut de l'amplitude. Et là, l'idée, ce sera d'avoir dribble court, blocage, et je reviens. Ok? Donc là, pour l'instant, c'est juste le dribble court. Top, c'est parti. 40 secondes. Garde les flexions. Gardez les flexions. Rapide au niveau des pieds, des mains, pardon. Côté revers. Un peu plus loin que ton pied, Titouan. Ok. Encore, encore. Rapide, Jules. Rapide au niveau des mains. Ok. Repos. Donc là, on passe sur le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est le blocage. D'accord? Donc on va être juste sur un transport de puck. Donc on a toujours la même position de base. On était en dribble court ici. L'idée, c'est transport du puck de mon côté coup droit, le plus loin possible, à mon côté revers, le plus loin possible avec un blocage. Les points clés importants, c'est je suis rapide, enfin, je suis rapide, non, pardon, je suis rapide. Moyennement, on va dire, sur mon transport de puck, ce sera le retour qui sera très rapide. Par contre, le transfert de poids, il se fait sans bouchonner, d'accord? Je suis ici côté coup droit et je vais transférer côté revers, mais je suis toujours en flexion. On ne veut pas voir, je me relève et je viens ici, d'accord? Donc vous appliquez surtout sur le transfert de poids en gardant la flexion, ici. OK? Donc ça, c'est 1. Je me remets en place. 2. Ok, je travaille juste le transfert du côté coup droit au blocage revers. Ça marche? Pendant 40 secondes. Donc je ne sais pas, on va le faire une quinzaine de fois, une vingtaine de fois. On se met en place. Donc gardez les flexions et moyennement rapide. Top, c'est parti. Donc on doit voir le transfert de poids. Sur le retour, vous pouvez venir tranquillement en dribblant. Vous pouvez vous relever sur le retour, d'accord? Là, on fait transfert, transport, coup droit, blocage revers. On ne s'arrête pas, Loukian, hein. Moi, je m'arrête parce que je vous regarde. Donc, c'est le mouvement coup droit, blocage revers qui m'intéresse, d'accord? Le retour, ce n'est pas très grave. Ok, repos. L'exercice suivant, bah vous avez compris, hein. On est position revers, le plus loin possible. Là, c'est transport de puck avec le transfert de poids, coup droit, blocage coup droit, d'accord? Et je me remets en place pour le refaire une deuxième fois. Ok. Là, je fais pas le retour pour le moment. Attention, top, c'est parti. Là, le transport, vous n'êtes pas obligé de le faire très vite, d'accord? L'important, c'est de garder les flexions. On fléchit bien.
Ok, repos. Pourquoi on veut garder les flexions tout le temps là? Ben, vous pouvez l'écrire dans le chat. Mika me donnera les réponses. Les quelques réponses qu'il y a. Pourquoi on veut garder les flexions? Il n'y a pas de réponse. Personne qui écrit. Ok, l'idée, on garde les flexions pour pouvoir avoir les appuis et pouvoir exploser à la fin de notre feinte. D'accord? Si on est tendu à la fin du transport de puck, on ne peut pas pousser sur les jambes. On ne pourra pas ni feinter le joueur, ni changer de rythme. On repart sur le premier mouvement. Donc c'est transport de puck, coup droit, blocage revers. Et je recommence. Ok? En gardant la flexion. Top, c'est parti, 40 secondes. Ne relève pas, Terry. Bien fléchi. Ah, Alexis, tu te relèves aussi. Je vois ta tête qui fait un arrondi. D'accord. On doit rester sur les flexions. Ça doit brûler un peu les cuisses, même si ce n'est pas très très dur. Ok. Le dernier sur ce mouvement-là. Donc, je suis revers. Transport de puck. Blocage coup droit. Et je recommence. Ok. Attention. Top, c'est parti. Appliquez-vous sur le transfert de poids. D'accord. Je passe. Tu es en appui inversé là, Alessandro. Mon palais, il est à gauche. Mon poids, il est sur la jambe gauche. Mon palais, il est à droite. Mon poids, il est sur la jambe droite. Je suis tout le temps fléchi, d'accord? Et je transfère mon poids en gardant les jambes fléchies. Ok, repos. Donc là, on a fait le dribble court, le transport, d'accord? Maintenant, ce qu'on veut, c'est le retour, d'accord? Et là, le retour, il est extrêmement rapide, d'accord? Donc, on est en situation ici, je suis revers, d'accord? Je suis revers, et là, très rapidement, donc j'ai fini mon transport de puck, revers, très rapidement, je dois revenir avec mes bras, d'accord? Et transférer mon poids, donc pousser fort sur ma jambe, et revenir très très vite. Ok? Donc là, c'est de la vitesse en gardant la flexion. Je démarre revers. Ok. Top, c'est parti. Ça doit aller plus vite, beaucoup plus vite que sur le transport de puck. Alessandro, je vois toujours pas de transfert. On va la couper ta caméra à toi là. Oh, t'entends nos consignes ou pas? Transfert de poids. Tes jambes tendues, t'es comme ça. Là, j'ai mon poids ici. Je reviens sur ma jambe gauche. Ok, repos. Donc, il y a toujours le transport de poids, transfert de poids. Maintenant, donc, j'ai fait mon blocage. On imagine, hein, j'étais dribble court revers. Je bloque coup droit. Et là, je fais mon retour de la feinte. Donc, je suis coup droit avec un blocage revers très rapide. Ok? Ici, très rapide. Ça marche? Donc, je suis coup droit, retour. Top, c'est parti. En gardant les flexions. Le plus rapide possible. C'est trop lent. Il faut que vous soyez plus rapide que ça. Là, c'est... Je bats l'adversaire. Hein. Je l'ai emmené d'un côté et je reviens très vite pour le battre.
Oui, il y a le transfert de poids. Je me relève pas, par contre. C'est le même principe. Il ne faut pas se relever. Il faut garder la flexion. OK, repos. Donc, le même principe. J'ai fait mon dribble court. J'ai emmené mon adversaire. D'accord? Là, je reviens rapidement. Je pas mon adversaire. Il faut que je sois fléchi pour pouvoir pousser sur mes jambes et continuer mon débordement ou mettre une accélération. Si je finis ici tendu, bon, ben peut-être que ce que j'ai gagné sur ma feinte, je vais le perdre sur le patinage. Ok, là on a isolé les trois mouvements. On va faire les enchaînements. D'accord? Le premier enchaînement, c'est dribble court blocage. Donc on repart du début. Les consignes, c'est toujours les mêmes. Les pieds, écartement des épaules. Je suis fléchi. D'accord? Mon dribble, il est latéral, de gauche à droite. Donc là, c'est dribble court, blocage revers. On enchaîne les deux mouvements. OK? Le transport du puck, là, ici, il n'est pas très très rapide. Là, je veux emmener mon adversaire. Si je veux emmener mon adversaire, il faut que je le fasse à une vitesse normale. C'est le retour qui sera très rapide après. Donc là, on fait juste dribble coup droit, blocage revers, avec le transfert de poids qui est bien effectué. Donc vous, faut vous appliquer là-dessus, hein. Transfert de poids, je bouchonne pas. Top, c'est parti. Dribble court, blocage. Dribble court, blocage. Continue. Donc c'est dribble court, coup droit, blocage revers et je reviens. Ouais. Ok, dribble court, blocage revers et je reviens tranquillement. Pour l'instant, il y a l'enchaînement. Pardon, repos. Ok, le suivant. Dribble court, revers, d'accord. Blocage. Coup droit. On fera le retour après, on fera l'enchaînement des trois après. Donc dribble court, revers, transfert de poids, blocage, d'accord? Et je reviens. Dribble court, revers, transfert de poids, blocage, coup droit. Top, c'est parti. Gardez les flexions. Appliquez-vous sur le transfert de poids. Il y a de l'amplitude aussi. Je vais mettre mon palais loin. Donc là, c'est dribble revers, blocage coup droit et je reviens en position. Terry, il faudrait que tu prennes tes gants pour les maniements. Ok. Repos. Là, on était dribble revers, on passe dribble coup droit. Donc, on refait une deuxième fois ce qu'on avait fait tout à l'heure. Le palais est loin, dribble coup droit, blocage revers, d'accord? Avec le transfert de poids. Top, c'est parti, 40 secondes. Ok, on garde les flexions. Maintenant, c'est un dribble de gauche à droite. C'est pas un dribble de haut en bas. Ouais, sur ton coup droit. Dribble court de gauche à droite. Ok, repos. Ah, quand je dis gauche à droite, c'est ça. Donc là, ça va être revers. Dribble court, revers de gauche à droite. C'est ça. Ok. Donc c'est pas de l'avant vers l'arrière, c'est pas en diagonale, c'est de la droite vers la gauche. Dribble court. Ok, donc dribble court, revers,
Transfert de poids, blocage, coup droit. Attention, 40 secondes, top, c'est parti. Okay, vous pouvez détacher votre regard du palais aussi. Hein. Là, comme on est, il n'y a pas de glisse, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'adversaire. Le palais, vous savez où il est normalement. Il n'est jamais très loin de votre palette. Donc là, on est dribble revers, blocage coup droit. Ok, repos. Le deuxième enchaînement qu'on fait, hein, donc c'est le transport de puck, retour. On enlève le dribble court. Donc là, on est... Je suis en position, on imagine qu'on a fait notre dribble court, et là ça va être transport, vitesse moyenne, d'accord, blocage, retour très rapide. C'est difficile de le faire au ralenti, mais je vais le refaire à vitesse normale. L'important c'est que vous soyez tout le temps fléchi, il y a transfert de poids à l'aller, transfert de poids rapide au retour, d'accord, en gardant à la fin les jambes bien fléchies. Donc je suis ici... Là, c'est vitesse moyenne, on va dire 70% et retour rapide, d'accord? Ok, l'idée, c'est j'emmène mon adversaire et dès qu'il tombe dans la feinte, je reviens très rapidement avec le transfert de poids. Ça roule? Ok, en place. On démarre coup droit. Top, c'est parti. On doit voir le changement de rythme, hein? Ça ne doit pas être la même vitesse entre transport de puck et retour. Le retour, il doit être bien plus rapide. Vas-y, Gabriel. Transport, coup droit. Retour rapide. Plus vite que ça, le retour. Ok, repos. Là, on est statique, hein, mais moi, je suis essoufflé, par exemple. Donc, le retour, il faut le faire très rapidement. Fléchis. Revers, donc transport du palais, revers, blocage coup droit, et je reviens très rapidement, d'accord? Tout en étant fléchi et en faisant le transfert de poids en bas. Ok, top, c'est parti, 40 secondes. Transport de puck, revers. Ah, Tom, t'es mal parti. On démarre sur le revers. Et on revient sur le coup droit rapide. Reviens plus vite, Jude. Tu vas aussi vite sur le transport de puck que sur le retour. Il faut qu'il y ait un changement de rythme pour tromper l'adversaire. Alexis, je vois pas beaucoup de changement de rythme. C'est lent, lent. Moi, je veux moyennement rapide, hyper rapide. Hein? Lent, lent, tu vas tromper personne. Ça peut être lent, rapide. Ça peut être rapide, super rapide. Ok, repos, pardon, je vous ai oublié. Donc, ce que je disais là, il y en a qui font rapide, rapide, d'accord? Tu trompes personne là, d'accord? Sur le changement de vitesse. C'est la rupture de vitesse qui va être difficile à gérer pour l'adversaire. Ça peut être lent, rapide. Ça peut être rapide et super rapide. Mais ça ne peut pas être la même vitesse. D'accord? On repart. Là, on a fait des deux côtés. Mika, on a fait des deux côtés ou pas? Ok. Donc là, on va finir par l'enchaînement des trois. D'accord? Donc, on est dribble court. Donc, je suis toujours fléchi. D'accord? On pense au transfert de poids, l'écartement des pieds, je suis dribble court, transport de puck, retour rapide, d'accord? Et là, on a toute la feinte. Donc, regardez la vidéo, j'essaye de le montrer correctement, peut-être je ne le fais pas bien, mais
y a une vitesse différente entre le transport de puck et le retour. Dribble court, transport de puck et retour. D'accord ? Et là, quand le joueur il part avec vous, c'est là qu'il faut faire le retour très rapide. Ok, top pour 40 secondes, c'est parti. Hop là. Allez, on doit voir le changement de rythme. Dribble, coup droit. Transport revers. Blocage revers. Retour rapide. On ne bouchonne pas. Jules, go. Repos. Ok. On fait l'inverse. Donc là, on est dribble, court, revers. Transport revers, blocage coup droit, je reviens revers. Ça marche? Donc je démarre revers. En gardant les flexions et le transfert de poids selon où est le palais. Ok, top, c'est parti. Allez, on garde l'amplitude. Ok, repos. Il nous reste une fois de chaque côté. Donc là, on va juste rajouter un geste. Donc c'est dribble court, coup droit, transport, coup droit, d'accord? J'étais pas fléchi au début. Donc transport, coup droit, avec transfert de poids, retour revers, très rapide, d'accord? Et là, je vais pousser sur ma jambe gauche pour aller vers l'avant. Donc c'est... Ok? Ça marche? Un pas en avant. Quand vous êtes revenu sur votre coup droit. Ok, en place. Top, 40 secondes. Hop. Allez, on doit voir le changement de rythme. Le pas en avant. Ah, le pas en avant, c'est une fois qu'on est revenu sur le coup droit. Dribble coup droit, transport, blocage, reviens, pas en avant. Voilà. Un seul pas, hein. C'est juste pour faire le démarrage. Ok, repos. Cette fois-ci, c'est dribble revers. Dribble court revers. Transport de puck, blocage coup droit, je reviens revers et je pars vers l'avant. Ça roule? Ok, 40 secondes. Top, c'est... Attendez. Ouais, top, c'est parti. Regarde. Ok, Thibaut, c'est ça. Un petit peu plus d'amplitude. Voilà, sur ton retour. Ok, repos. Ça marche. C'est pas mal là sur ceux que j'ai vus. Ceux qui n'ont pas les caméras, c'est difficile de vous corriger. C'est bien des fois de découper les mouvements, les éléments techniques.
sur un geste que vous maîtrisez, d'accord? Le blocage de la feinte, vous le maîtrisez, mais par contre, améliorer chaque petit passage de la feinte, c'est intéressant pour après travailler en global. Et pour après le travailler sur la glace, avec en plus le patinage, les patins, un palet, et après le travailler avec un adversaire. Ça roule? Donc il faut retenir les flexions, l'amplitude et le changement de rythme, d'accord, qui est le plus important sur la feinte pour pouvoir la maîtriser. Ça peut être lent, rapide, ça peut être rapide, très rapide, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une rupture de rythme. Ça marche? Bonne soirée à tout le monde. Demain, c'est yoga. Et après, vous avez 4 jours pour profiter du beau temps, s'il y en a qui ont du beau temps sur les 4 jours qui viennent. Bonne soirée. Ciao.